Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Debien, je suis responsable produit sur la gamme déchaumage chez Kuhn. Donc, je vais vous présenter le Cultimer L. Donc, c'est une machine de déchaumage à dents qui est dite polyvalente. Donc, elle tire sa polyvalence de par la diversité de ses pièces d'usure. Dans un premier temps, on peut monter au bout de sa pointe un soc pas de doigt pour un déchaumage superficiel de 3 à 7 cm ou alors une pointe 80 mm avec ses ailettes pour un déchaumage moyen jusqu'à 15 cm de profondeur, ou alors la pointe seule en 80 mm pour un travail de pseudo-labour jusqu'à 25 cm de profondeur. Les trois points forts de cette machine donc, sont plus de maintien en terre avec une nouvelle dent, plus de confort d'utilisation avec des nouveaux réglages et plus de qualité de travail avec un nouveau rouleau. Donc on va commencer par la nouvelle dent, donc plus de maintien en terre. Ici, donc une toute nouvelle dent, donc avec un double ressort mécanique avec 600 kg de pression à la pointe pour pouvoir passer dans tous les types de terre sans que la dent pianote. Donc c'est une pièce qui est entièrement faite chez Kuhn avec un savoir-faire, une bride forgée ainsi qu'une dent forgée qui met vraiment en avant la résistance mécanique de cette sécurité. Donc cette dent est sans entretien, donc tous les axes utilisent en fait des aciers de très haute qualité, donc avec très grande résistance mécanique pour aucun entretien de la part de l'agriculteur, ce qui lui amène vraiment beaucoup de confort. Elle accepte aussi un dégagement latéral, gauche et droite, d'une amplitude totale de 30 cm, grâce à cette partie qui est un matériau en HLE, en haute limite élastique. Le Cultimer L est très simple à régler donc, par l'agriculteur. Tous ces réglages sont entièrement mécaniques. Le réglage de profondeur de travail se fait au niveau des bras de rouleau par un système à cale, par lequel on peut régler une butée haute et une butée basse. La butée haute pour la hauteur de travail, donc la profondeur de travail, et la butée basse pour apporter de la charge du rouleau sur la machine pour lui faciliter son entrée en terre. Le réglage de disque de nivellement, un réglage par côté de machine, donc très simple et très rapide pour l'agriculteur, par un système ici à manivelle qui se règle très rapidement. Le dernier point fort de la machine et un des plus importants est la qualité de travail de cette machine. Au niveau de la dent, avec son grand rayon de courbure que l'on a vu au départ, et surtout au niveau donc, du nouveau rouleau HD Liner en 600 mm. Un rouleau fait environ 30% du travail d'une machine. Ce nouveau rouleau HD Liner, crénelé, est un rouleau lourd. Il fait 180 kg par mètre et permet un fort appui dans les terres très dures, type argile par exemple. Son profil en V permet de laisser un profil en V dans le sol pour limiter le ruissellement. On garde de la terre moteuse entre les créneaux, ce qui permet une bonne infiltration de l'eau après le passage de la machine. Merci d'avoir écouté cette brève présentation sur le Cultimer L rempli d'innovation. Je vous invite dès maintenant, si vous le souhaitez, venir consulter notre site internet www.kuhn.com. Merci.